Posons le problème, professeur. Au sud, le Centrine Rail. Au nord, les arrêts de bus 35-36. Et entre les deux, la départementale D766. Oui, oui, professeur. Et à cela, tu ajoutes l'aéroport international de Clermont-Ferrand avec ses 70 000 vols par jour. Ici, tu as un magnifique incinérateur avec ses particules fines. Et par ici, l'autoroute avec un magnifique autopont et sa piste cyclable, où les voitures accélèrent sans aucune visibilité à la sortie de Clermont-Ferrand, 50 km/h, et ici, 80 km/h. Bref, le problème, professeur, comment passer du point A au point B et inversement proportionnel. Ah ah! Je me présente, Cédric Villani de la balistique en marche. Ouais. Avec mon collègue Boltzmann, on va vous résoudre ce problème en deux coups d'équation intégro-différentielle. Pour cela, nous avons donc une formule de Boltzmann, une équation, qui part de la dérivée particulière. Alors, la dérivée particulière, c'est classique, grand F sur petit do rond t égale grand F, la masse par la vitesse fois 2 moins la masse. Là, on est bien sur la première formule, sans oublier F' entre crochets moins DVP DVD. Égale, on retrouve notre champ extérieur avec l'hypothèse ergodique. Alors, donc F sur AT, la vitesse du témoin, plus la vitesse toujours delta sigma inversé. Voilà, nous avons donc le grand B, GKY. C'est une relation. On finit par, entre parenthèses, l'interaction à deux corps. C'est très important, les deux corps. Ouais, les deux corps, voire trois corps. Hein, s'il y a bus, voiture, piéton, ça peut arriver. Donc voilà. Et on arrive donc à cette formule. Je vous montre. Voilà. Donc on a bien la vitesse. Hein, on a les piétons, petit p. Et la masse des véhicules. Voilà, pour les interactions. Voilà. Et donc on a le grand... La résolution de cette équation, voilà. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Non, on le sait. Ok? Mais c'est quoi ces foutaises? C'est la formule, c'est l'équation Boltzmann. C'est quoi ces foutaises? C'est quoi? Je vous explique. Non. Attends. Ça vaut pas un pichet de cidre. Là, on est vraiment au fond du fait tout. Non, je vais te le résoudre, moi, le problème. Voilà. Toi, la vitesse. Hop, tu l'avais à 50. Et entre ton point A et ton point B, tu mets un passage piéton. Ok. Et en cadeau bonus, tu mets un éclairage. La lumière, ouais. Eh oui. Mais c'est bon ça, faut que je remette tout votre... Oh. Merci qui? Hey, allez, on y va, on va cycle. Allez. On y va, allez. Écoute, professeur, il est bien gentil, Villani, avec son araignée, sa lavalière et son équation de Boltzmann. Mais finalement, c'est pas si con que ça, un passage piéton. Je sais pas, moi, l'équation, j'étais prête à foncer, mais le passage piéton, je sais pas fait. Remarque, ça serait peut-être une question pour Clermont Métropole. Alors là, professeur, si t'arrives à faire ça à la Métropole, tu mérites le Nobel et la médaille Fields. Passage piéton! Passage piéton! Passage piéton! Passage piéton! Passage piéton! Par contre, faut nous le laisser, l'arrêt de bus. On en a besoin. Ce serait trop simple de l'enlever.
avec mon collègue Boltzmann, hein, on va vous résoudre ce problème en deux coups d'équation intégraux différentiels. Par contre, faut nous le laisser. Annie, avec son araignée, son équation de Boltzmann et son troisième truc, là, ça la valait.